Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec l'Ethiopie toujours. On se retrouve à gérer notre petite crise intérieure, hein. On va dire ce qui est, hein. C'est un peu le bordel. Donc on avait bien sûr notre surexpansion qui a foutu la merde, on avait les Ottomans qui avaient très bien joué en semant la discorde juste à ce moment-là. Du coup on a une agitation un peu porcine. Et on n'a pas beaucoup de levier, hein. Alors je pense qu'on va peut-être quand même dépenser un peu de points de stab, attendre que la surexpansion soit descendue et s'occuper de ça. Ouais, encore que 8 et 8 de surexpansion et 1 de corruption, c'est que dalle à côté du reste, donc on va tout de suite dépenser un peu de stab, ça sera toujours ça de prix. On va enlever la pause. Donc on avait les armées qui étaient en train de se replacer pour gérer un peu le bordel. Ok, donc ici ça va commencer à gueuler. Voilà. Donc on est parti. On a des armées qui arrivent de toute façon pour pacifier la zone. Pendant qu'on y est, que c'est le bordel. Ici, alors cet édit on peut le virer. Où est-ce qu'on en était au niveau des édits? Ici. On peut le virer aussi. On n'a pas d'institution à tout hasard, non. On va pouvoir peut-être commencer à convertir dans le coin, histoire de faire en sorte que ça gueule encore plus. Hop. Ça avance les institutions en Tunisie d'ailleurs? Pas vraiment, hein. Alors, cette zone-là, c'est tout ça. C'est parti. Hop. Ouah, non, ça coûte beaucoup trop cher, on peut pas se permettre. Non, on peut pas se permettre pour l'instant. Va falloir qu'on attende au moins que nos armées soient un peu... en meilleur état. Qu'elle se soit toute remise, parce qu'on a quand même 8000 hommes là à re-remplir, hein, avec ce bordel. Un accès 8 heures de la France, allez, toi tu peux. On a eu une victoire ici. Notre avec le Maroc a expiré et des gens se sont soulevés ici. Ok, alors du calme, on se détend. Ici, on les a... Ah, ils ont dû nous venir dessus, en fait. Ok, très bien. C'est parfait. Vous, allez vous occuper de cela. Peut-être avec un petit commandant. Ça mange pas de pain. Hop. Ici. C'est géré. On va les envoyer jusque là, voilà. Et vous, vous pouvez rentrer... vous pouvez rentrer dans le coin. L'agitation. Quoique, non, vous allez rester dans le coin parce que là, on va se préparer, je pense, à aller bouffer cette île avant que la France et autres ne s'étendent plus, parce qu'il y a quand même la Grande-Bretagne, les États pontificaux et la France, hein, qui sont mis là. C'est un petit peu trop de monde à mon goût. Donc ici, on les bute. Ça va bien, les paysans qui font chier. Allez, on les termine s'il vous plaît, merci. Parfait. On va mettre une armée à gérer là et l'autre à gérer ce coin. Ça devrait aller. Voilà. Ah oui, merde, lui c'est le... C'est le conquistador. Hop. Voilà. Gérez ça. Vous allez là et vous gérez la zone. Parfait. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils me lâchent la grappe. Bon, nos sous s'équilibrent un peu. Même si pour l'instant, c'est pas ouf. Donc j'ai envoyé des gens s'occuper des dépendances et des alliés, hein. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais voilà. Ici, si on voulait compléter. Trois unités ne correspondent pas et il faut qu'on recrute pour 136. Ouais, c'est un peu cher quand même. On va attendre un peu. Il faudrait qu'on mette à jour tous nos forts aussi, mais... C'est un peu le bordel.
c'est un peu hors de prix également. Alors on a réussi à rejeter un diplomate ottoman, c'est cool. L'ottoman qui est toujours complètement dans le drame, hein. Il a des particularistes qui se baladent chez moi sans souci. Ici, ça doit être un peu mieux normalement. Alors ici d'ailleurs, ça serait intéressant de convertir du coup. Hein. 52 mois, ouais. On peut pas en faire un état parce qu'on a plus d'état. C'est un peu dommage. De toute façon, ça aurait probablement pas été rentable, mais alors on va juste vérifier. Ouais, si ça gueule encore un peu. Donc on va plutôt se mettre en neutralisation des rebelles. 52 mois pour un coût de 12 par mois. Pff, ça fait mal, hein. Et ça nous donnera du coup le droit de prendre le dernier truc, qui est légitimité annuelle. Ah, c'est dommage, ça tomberait bien. Mais bon, 52 mois... 52 mois quoi. Là si je fais ça, on gagnerait 10 de légitimité. On va le prendre, hein. C'est un peu con mais... Il faut qu'on remonte notre légitimité. Il faut aussi qu'on déclenche une guerre absolument, hein. Normalement là on avait des casus belli. Lui, on va corrompre ses fonctionnaires, parce que pourquoi pas, on va le faire revenir. Il nous faut un diplomate, il faut qu'on déclenche une guerre pour éviter de se faire trop facilement défoncer en cas de mort du souverain. Bon, nos frais se sont un peu équilibrés. On va pouvoir convertir des trucs qui coûtent peut-être un peu moins cher, genre là. Genre ça, voilà. Peut-être Bizerte aussi. Allez, on va commencer par ces trois-là. Ici, il est allié à la petite merde. Alors, impérialisme. Nos alliés viennent pas, on s'en fout. Maravis vient, mais on va le défoncer avec notre armée qui est dans le coin. Ici on va prendre un général, hein, bah toi pourquoi pas. Alors c'est quoi ce truc, j'ai pas fait gaffe, stop, reviens en arrière. Ligne commerciale avec Maravis, ouais, on s'en fout. Allez hop, impérialisme, c'est parti. Oui, transport auto, on est parti, on va les défoncer. Ici on va s'occuper d'eux très très vite. Voilà, au moins on se protège de l'union personnelle, donc bien sûr, hein, on va encore avoir des révoltes et tout, parce que forcément, c'est un peu le bordel. Mais il faut qu'on évite de se faire bouffer comme des cons par un autre pays. En plus, avec un peu de bol, ça nous permettra de rembourser nos emprunts. Nos ports sont sous blocus, ok. Normalement, ma flotte devrait suffire à débarquer. Hein. Tiens, d'ailleurs, elle reste dans le port, la flotte. Attendez, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Me dis pas que c'est ces bateaux-là qui sont partis. Oh putain. Ok, ils sont débiles. Venez ici, vous. Il y a des bateaux ici, j'hallucine pas. Oui, il y a 15 navires de transport, putain. Allez, en avant. C'est ouf. Bon, en plus c'est le bordel chez lui, donc on va pas s'en priver. Démission d'officier de marine, d'accord. Débarquez les gens. Cessez de faire n'importe quoi, s'il vous plaît. C'est bien assez le bordel comme ça. Alors, notre colon du coup, on a terminé notre colonie. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coloniser cette petite merde là, même si c'est pas ouf. Il faut qu'on les gère. Là il va nous falloir un général, hein, pour gérer 50k, ça serait quand même mieux. Des séparatistes bulgares, ok, il y va, parfait.
Alors, au niveau des commandants, toi, viens là. T'étais, je sais plus où, t'étais là-haut pour gérer, mais t'as plus besoin d'être là-haut. On attend que les renforts arrivent ici et on leur saute dessus. Ici, ils ont réussi à s'enfuir, Maravis, c'est pas très grave, on va les sortir très très rapidement. Voilà, là on débarque, ensuite on va chercher ça. Alors on va... Non. Ah, je peux pas passer parce qu'il y a ce fort, ouais, ok. On va aller, on va faire un petit siège ici en attendant. Alors, vous. On prend votre territoire, non, vous voulez pas. Bon, on va poursuivre ces gens du coup. S'ils veulent pas. Ici, on est prêt à s'en occuper. On y va. Le 18 octobre, le 17 octobre, c'est parfait. Hop, on s'attache. On sort. Et on peut même se poser. Du coup, là, on est complètement bloqué à cause de ce fort. Merde, on aurait peut-être dû débarquer de l'autre côté en fait. Mais c'est pas grave. On va y aller. La bataille de Tunis, c'est fait. Parfait. Alors vous, vous retournez là-bas. Vous allez même aller ici. Et vous, vous restez à faire le... à gérer le siège. Voilà, on va les éclater. Très bien. On a des commandants qui n'ont pas de siège, c'est un peu dommage, mais bon. Vous, coupez-vous en deux, un qui va ici, un qui va là. Il va ici, ça me dérange pas, hein. On va prendre le fort et il sera bloqué, il ira pas plus loin. Les canons. Ah bah non, en fait c'est tombé direct. Ok, très bien. Restez là, vous, vous pouvez choper cela. On est autant être en surnombre. Hein. Vous allez à qui aller là, vous. Iskander, on gagne des points ennemis, on gagne du prestige. Gagnons du prestige un peu, qu'on en a plus beaucoup. Ah merde, on est plein de points ici. Putain, j'avais pas vu. Bah, faut qu'on développe pour notre institution. Hein. Bon, ici ça avance. Ça, ça avance pas du tout. C'est à 10 ici. C'est peut-être le moment de se mettre à développer un peu. Hein. Hop, hop. Voilà. Hop. Allez, on va jusqu'à 20 déjà. Ça avance vraiment pas vite. Hein. Vraiment, vraiment pas vite. Hein. Mais bon, tant pis. C'est la vie. Alors, ils sont rendus où, les maravismes? Ils sont là, essayez de les attraper. Ici, on les attaque. Planité de cours d'eau, on a 5 de mouvement, ça devrait le faire. Problème d'intendance. Oh, fuck. Relou, hein, jusqu'au bout. Ah, on a perdu un diplomate. Ça, c'est bien triste. En même temps, on a déjà beaucoup de points de mine. Portée coloniale, droit de douane, réseau d'espionnage, amélioration des relations. On va prendre lui. C'est que un plus 1, mais étant donné qu'on est déjà blindé de points, c'est pas très grave. Pour l'instant, la rigueur, ce que je préfère, c'est gagner des sous. Ok, vous, vous allez là. Vous allez vous occuper de, prendre le reste du pays. Autorité en concurrence, allons bon. Alors, qui peut se permettre de perdre des points? Là, je peux rien faire. Et là, je pourrais déjà faire ça. Hop. Par contre, il n'y en a aucun que je peux monter. Hein. Mais eux sont à 58, donc on va prendre le parti des bourgeois. Ok, ici ça a enfin pété, on va s'en occuper. Normalement ça devrait commencer à se stabiliser un peu dans le pays là.
Les raids sur les côtes, c'est relou. Ici, on peut même envoyer. Oh, les a instantanément butés, ceux qui se sont séparés en haut, se soulever en haut, pardon. Ils font mal ces cons. Ah, ils sont beaucoup trop nombreux. Ok. Alors c'est peut-être pas la peine de se taper une bataille navale pour rien. Trop tard. Bon bah trop tard. Alors vous, faites votre siège. Ah putain, ils sont revenus ici. Quel bordel. Vous. Non. Une paix. Ils veulent toujours pas. Hein. Normalement, normal, leur armée m'esquive entre guillemets largement. Bon, ici on a des bateaux pas beaucoup plus lourds, mais visiblement de meilleure qualité parce qu'on les défonce quand même. Allez, il faut qu'on les termine. Donc eux ils se replient à l'autre bout du monde. Tiens, on a perdu le casus belli contre l'Espagne. C'est moche ça. Enfin, on a toujours l'impérialisme. Oui. Enfin, prendre la capitale c'est un peu gênant quoi. Mais... Allez, ici on les termine. Ok, voilà, parfait. On va aller se réparer, on a réussi à piquer un bateau. On a perdu un galion quand même. On a piqué des vaisseaux de transport. Puis ils foutent là. Bon, l'agitation là, ça doit être un peu plus détendu, non? Séparatiste béninois. On va se poser directement dessus. Hop, voilà. Ah mais merde, j'avais pas vu qu'ils étaient là. Ouais. Butez-les s'il vous plaît. Alors c'est de la montagne ça? Ouais. Veuillez prendre un général. Un général 2 étoiles est mort, c'est bien triste. J'ai beaucoup trop de notifications là. Bon, on va pouvoir se concentrer sur ces cons du coup. Hop, on va prendre le mec qui trace. Et on va les attraper très très vite. Encore un commandant qui décède, et ben, décidément. Allez, on écrase ce débile et on sera bien après. Voilà, l'intérêt surtout était d'espérer que lui. Voilà, ici. Et éventuellement des sous. Ouais, il a rien. Ok, très bien. Donc, du coup, on prend ça. Est-ce qu'on peut le vassaliser? Non, c'est pas ça. On pourrait le vassaliser, hein. Peut-être aussi tout prendre d'ailleurs. On peut carrément tout prendre en fait, hein. On va pas se faire chier. Prendre des sous. Qui c'est qui gueule? Maravis et Lubas. Donc Maravis va disparaître, on s'en fout un peu. Et au moins on est sûr que il vendra rien d'autre à personne d'autre. Parfait, c'est parti, on est reparti pour une magnifique paix qui va pas du tout nous foutre dans la merde. Ligne commerciale dissoute, c'est normal, vous vous retournez là-bas, enfin quoi que non, vous allez rester dans le coin. Parce qu'ici, bien sûr, ça va gueuler. Hop, 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 hop. Alors, c'est où ce truc-là? Ici, il y a un état que j'ai pas défait. Complètement. J'ai complètement oublié cet état. Dégage, état.
Dégage, dégage. Du coup, je peux en faire un autre. Voilà qui est intéressant. Donc, je peux en faire un là. En plus, c'est plutôt rentable. Donc, celui-là, on va le garder. Et on va pouvoir envoyer des gens s'occuper de convertir. C'est beaucoup plus intéressant déjà. Hop, unité religieuse. Et on convertit ce truc-là. Et du coup, bah, c'est bien le même état là. Oui, l'Arménie. On va reconvertir l'Arménie copte. Parfait. Bon. Bon. On a toujours notre potentielle union personnelle. Mais c'est pas grave. On va aller s'occuper des Lubaz, je pense. Faudrait qu'on fasse grossir un peu le Congo. On va peut-être s'occuper plutôt de. Toc 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 toc, c'est où? Ouais, je pense qu'on va s'occuper de faire grossir un peu notre ami congolais. Sur Ndongo et compagnie, hein. Surtout qu'il est tout seul, ce mec. Ouais, on va complètement faire ça. En avant. Ah merde, putain, ils se sont soulevés, eux. Les enfoirés. Quand je me suis barré, j'avais vu que c'était vert, mais en fait, quand je me suis barré, ça a dû redevenir rouge. Autant pour moi. On peut toujours pas rembourser d'emprunt parce qu'ils étaient trop pauvres, c'est un peu triste. Ici c'est géré, on va revenir là parce que avec les conversions, enfin encore que, on va rester là. On va se mettre en neutralisation des rebelles dans le coin, des fois que les conversions foutent un peu la merde. Qui gueule? Qui gueule, qui gueule? Ok, il y en a deux qui sont levés, il y a le Bénin qui va se soulever, qui compte déjà aussi, potentiellement. On va gérer tous ces gens, pas de problème. Ici on se met en position et on tombe sur Ngondo. Ndongo, pardon. Alors, on a des diplomates qui foutent rien. Reviens toi, t'as visiblement fait le taf. On va envoyer quelqu'un. Où ça? On en est où en termes de relations du coup? On est à 3, hein. Tu voudrais pas être vassalisé toi? Ah merde, non. On a des provinces légitimes, dommage. Dommage, dommage. Du coup, bah tu vas crever tout simplement. J'ai envie de dire, je suis bien, bien tristesse, hein, mais. Ouais, beaucoup d'endroits où ça peut péter encore là. Si j'enlève la neutralisation, comment ça se passe? Ouais, c'est pas. Ça va, on pourra s'occuper de lui en speed. Ils voudraient pas nous lâcher un général, eux? Ah, ils peuvent complètement nous lâcher un général. Hein. Allez, lâchez-nous un général, les gars. Ouh, il est très bien en plus. Ici, on va par là, on va mener du coup une guerre pour agrandir le Congo et une guerre pour bouffer Alger, comme ça on n'en parlera plus. Voilà, ici on les écrase, on laisse un mec. Oh, mais nos commandants ils tombent comme des mouches, c'est pas le nouveau au moins. Ah non, ça devait être un amiral. Ici, on les défonce, voilà, parfait. On se coupe, on s'occupe de ça. Allez, 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 allez. Alors, on convertit des gens, et ça c'est cool. Ce qui veut dire qu'on peut peut-être convertir d'autres personnes dans le coin. Donc il nous reste Sousse. Et puis bah Tunis lui-même. Il coûte très très cher. Très 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 cher, mais on va se le permettre. Je peux pas parce que j'ai plus de missionnaires. Ok, on a beaucoup trop de monde qui font rien au niveau de l'influence, la vassalisation. Les hospitaliers seraient pas contre, tiens, qu'ils arrêteraient de me faire chier comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Si on était allié avec eux, on pourrait les vassaliser.
On va commencer à les draguer un peu. Et l'autre, eh ben, on va le garder pour les guerres. Hein. Genre toi. Hop, impérialisme, c'est parti. Bisous. Ici, on écrase ce mec. Voilà. Alors toi, tu vas rejoindre. Vous d'ailleurs. Mettez-vous en neutralisation, parce qu'il est moins que ce soit utile dans le coin. Voilà. Ici, alors on va quand même regarder en spin and dongo, mais je pense pas qu'il soit à même de nous dongo. Ouais, voilà, il a 3000 hommes, on va le défoncer. Alors il nous faut que notre diplomate revienne. Alors on accélère un petit peu hein, en fin de partie, on est là pour grossir un peu et se renforcer. On peut pas déclencher une guerre pendant le premier mois d'une nouvelle guerre, hein. Pardon, pardon. Je m'excuse d'être aussi agressif. Ok, Titeri s'est tombé instantanément. On va pouvoir faire une paix, lui prendre son petit sou, son pays, et merci, au revoir. Voilà, ça fait déjà une tâche de moins. Merci. Légitimons le bordel. Et ça y est, on a réussi à trouver quelqu'un. Et on a du coup un héritier qui est quand même beaucoup plus potable. Donc on a un fief d'aristocrate puissant, mais c'est pas trop grave. Du coup on va être à peu près tranquille là-dessus. Allez, on attend que notre diplomate revienne. Voilà, et on déclare la guerre. Alors, on peut prendre des reconquêtes. Ou alors un impérialisme. On va prendre l'impérialisme, hein. De toute façon on va tout donner à notre vassal, donc on s'en fout. Hop, c'est parti, sa capitale est là, on y va direct. On va les regrouper et on va les envoyer doucement gérer dans le dos là. Alors on va laisser de quoi assiéger sur la capitale. Ah, on a des esclaves dans notre nouvelle province, c'est pas ouf mais tant pis. Traité sur la philosophie naturelle, clair père en loyauté. Ah merde. J'aimerais bien le prendre, mais ils sont déjà un peu dans le mal, les clercs. Hein. Et la donation, c'est 8000 ducats quand même. Et ça, c'est pas avant presque 20 ans. On va quand même le faire. On va quand même le faire. Accès militaire de la Russie. Vas-y, 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 vas-y. Ici, on va faire des petits stacks de 6. Lui il a réussi à passer 3000 hommes, mais on les rattrapera si besoin. Hop, c'est parti, vous venez là. En avant. On peut pas taxer du blé à eux. Non, toujours pas. Eux, on peut demander des troupes, on s'en fout un peu. Ça peut être grave hein, dans les dépendances des Européens, mine de rien. Alors, une révolte ici, d'accord, très très bien. Ils sont extrêmement désagréables ces gens. Ah, il y a un fort là-haut. Ok, on va s'occuper de ces petits trucs qui traînent. Alors, en Fès, ouf, 40 cas en Fès quand même. En avant, regroupez-vous ici. Hop. Donc Tunis nous coûte très très cher à convertir, hein, mais une fois que ce sera fait, ça va aussi nous rapporter beaucoup de sous. Donc ça ne me dérange pas
de perdre un peu de blé là-dessus. Kikonja, on s'en occupera plus tard. On va aller se poser, ça doit être un fort de merde ça. Ouais. Mine de rien, il a quand même regroupé 7000 hommes, hein. 8000 hommes. Ce serait mieux que ça tombe d'ailleurs. Ok. Le siège est tombé. On va pouvoir commencer à se regrouper pour leur taper dessus. Ah merde, ils ont traversé la frontière, j'avais pas vu. On a trop de points, on a trop de points, on a trop de points. Mocha. Mocha, mocha, mocha. Un petit point là, un petit point là, hop, deux points là. Et c'est adopté ici, parfait. C'est toujours ça de prix, donc ça va se répandre un peu plus vite du coup. Ici, on va mettre un croisement de la modernisation. Ici, c'est par un état. Ici, c'est déjà fait. J'ai pas vu, mais en face aussi, peut-être, oui. C'est parti. Hop. Là, c'est peut-être un peu loin. Ah, la capitale a le Lady, ça y est. J'avais pas fait gaffe. Voilà, c'est que des trucs à une seule province, malheureusement, dans le coin, mais bon, tant pis. Quand même poser les édits. J'imagine que là, on peut toujours pas la prendre. Hein. Ouais, voilà. Il va falloir que ça aille un peu plus vite que ça. Alors ici, hop, on chope ces 1000 hommes. On va commencer à regrouper une armée là. 52 000 mecs du Pays-Bas qui se baladent là. Ils sont en guerre contre qui ces cons? Ouais, contre des trucs très très loin. Ils se baladent juste là pour faire le fun, j'imagine. Hop, on récupère notre général ici. Et on va aller s'occuper des armées qui traînent. Pendant ce temps, lui, il arrive. Ici, on a pris, ok, parfait. Les séparatistes qui comptent déjà, ils vont faire chier encore un petit peu, hein. C'est pas grave. Ah bah, le Pays-Bas va s'en occuper. Bah, très très bien, merci mec. Allez, c'est parti, on décolle. Le siège est fait, nickel. Il va donc être temps de donner ça à notre ami congolais. Congo, Congo, Congo. On est à 100% sans même détruire ses armées, donc à la rigueur, on va pas forcément s'emmerder. Alors, du coup, une paix. Alors, tu rétrocèdes déjà des trucs à Congo, ce qui coûte le moins cher. Ensuite, tu donnes tout. Tu donnes ton blé. Et puis, bah, bisous! Voilà. Très bien, voilà un joli Congo, comme on les aime. Alors du coup, donc ces armées se sont transformées en rebelles, c'est normal. On va donc se regrouper dans le coin. Pays-Bas est parti pour les buter de toute façon. On a des séparatistes algériens qui gueulent un peu. Des séparatistes marocains. Attends, ouais, c'est un peu le bordel. Hein. Faut qu'on fasse attention. Alors ici, on prend de l'attrition pour rien, on y va.
Il y a un siège ici. Oh bah j'avais pas vu cela, tiens. Un commandant. Toi. Non, toi tu vas attaquer je sais plus où. Hop, occupez-vous de ces gens. Un dommage, on va arriver un peu tard. Non, c'est bon, on arrive à temps. Les séparatistes qui traversent la frontière, hein, bah, le Pays-Bas est parti pour les gérer. Pas parfait ça. Ah merde, défaite ici carrément. Ah putain la vache. J'avais pas vu ça comme ça. Bah allons chercher des renforts. Ouf, ici. Ah, et on a terminé de convertir Erevan. Je suis un peu trop haut, c'est là. On a terminé de convertir Erevan. Et on peut donc prendre la légitimité, ce qui est plutôt intéressant. Parfait. Regardez ça si c'est pas beau. Et bah du coup sur cette petite réussite on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime à me dire ce que vous en pensez. Pour la suite on a aller chercher Rome ou bouter l'Espagne hors de hors du cap et compagnie. Donc on va voir un peu ce qu'on fait. Je vais peut-être aussi arrêter le défi parce que Rome, enfin Total War Three Kingdoms va sortir hein, demain. Et du coup, bah, j'aimerais bien lancer un petit let's play dessus, donc si jamais vous voulez voir la suite de Europa Universalis 4, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, eh bien, on se lancera un petit let's play de Total War. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite, et merci à toutes et à tous.